Hey! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur The Powder Toy. Ne me demandez pas pourquoi je joue à ce jeu, j'en ai moi-même aucune idée. Donc, The Powder Toy, c'est quoi? C'est un jeu disponible sur PC, sur mobile, dans le but est de mélanger des substances et faire des trucs chimiques et scientifiques, et je sais pas comment l'expliquer. Vous allez voir, mettons que je veux mettre, je sais pas, moi. De l'eau? Ouais, faudrait peut-être désactiver la pause. Donc là, je vais mettre de l'eau. Voilà, je mets de l'eau pour que là ça fait un récipient d'eau. Et que je vais mettre par exemple de la lave. Regardez bien ce que ça fait. L'eau s'évapore avec la lave. Et ça fait des trucs chelous. On voit que là, ça fait de la fumée. Donc c'est trop bien. Et c'est ça. Et par exemple, si je veux éradiquer toute trace de vie, toute trace de trucs mûches, je peux arriver, mettre un petit coup d'acide et. Ah non, laissez faire, j'ai rien dit. Du coup, on va destroy avec un trou noir, hein? Voilà. Non, bon. Il est où mon jeu? Ok, il est là. Donc, en fait, The Powder Toy, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut vraiment faire n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, vous voyez, nitroglycérine, c'est ça, donc la mixer avec du CLST pour faire du TNT. Donc, on va mettre du nitro un petit peu, voilà, on met un petit peu de nitro. On va trouver ce fameux CLST. C'est où? C'est où? C'est quoi du CLST? Des gaz, c'est pas un gaz par exemple? Non, c'est. Est-ce que c'est un liquide le CLST? Il y a les virus, blablabla. C'est quoi du CLST? Attendez. Cloc, cloc. CLST. Oh, ça fait. Ok, c'est de la dust, comme. Bon, on va en mettre. Et vous allez voir que ça va tout simplement créer. Du TNT, là on dirait une bite. Très clairement, on dirait une putain de bite. Donc là, normalement, ça c'est créer du TNT. Donc, on va juste effacer les particules qui vont juste ici. Hop, voilà. Donc, normalement, si c'est supposé faire comme du TNT, on va mettre du feu. Juste ici, et c'est censé exploser, voilà. Et là, ça prend feu, et c'est trop bien. Bon, je crois que vous commencez à. Voilà, c'est chelou. Et c'est ça. Donc, ok, ouais. Vous comprenez à comprendre. Vous commencez à comprendre le concept du jeu, je crois. On se repart ça de maintenant. On va juste aller ici, prenez ça, et ça, et voilà. Donc, oui, c'est les Twin Towers. Et regardez ce qu'on peut faire par exemple avec les Twin Towers. Regardez bien, vous allez être impressionné. Voilà, on peut faire tout péter. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'amuser avec les Twin Towers parce que premier épisode et tout, c'est bien. On va s'amuser un petit peu avec les Twin Towers. On va faire des conneries avec les Twin Towers. Donc, des fusibles. Et ça, on mettait un fusible juste ici. Et qu'on mettait un tout petit peu de feu. Regardez bien. Normalement. Eh ben putain. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah, attendez. Je sais peut-être. Fusible, fusible, fusible. Ils sont où les fusibles? Ils sont là. Si, admettons. On met ça. Et du feu à l'intérieur. Si on met du feu à l'intérieur, normalement, le fusible va finir par exploser, non? Logiquement, dans la logique, c'est censé faire ça. Donc, on verra ça après. On va s'amuser à faire un phénomène scientifique logique. Nous allons mettre de l'eau. Ah, mais. Putain. Voilà. Alors, regardez. Ah, oui, ok. Donc là, ouais. Attendez. On va littéralement mettre de la lave. Hein, j'en ai rien à foutre. Et voilà! Oui? Ça l'a explosé. Bon. Voilà. Ah!
Moi qui voulais vous montrer quelque chose, grâce aux taux jumelles, eh bien. Ah, mais je pourrais pas. Bon, ben, c'est pas grave, on s'amuse un petit peu avec les taux jumelles. Par exemple, si on veut, on peut aller dans la radioactivité, mettre du plutonium comme ça. Voilà, on peut mettre du plutonium par exemple, et mettre. Je sais pas moi. Ça, voilà, et ben non, on peut attends. En termes nucléaire, on peut aussi mettre de l'uranium. Ah, ben oui, de l'uranium, ça va être drôle. De l'uranium, regardez bien. Normalement, si on met du feu, non, c'est peut-être la lave. Ah, je sais plus, c'est du feu ou de la lave qu'il faut mettre. Ah, c'est pas aucun des deux. Ah, il me semblait qu'il y avait une substance radioactive qui explosait. Des photons. Holy shit. Holy shit. Explosif. Ça, voilà. Explosif, il me semble que. Oui, les feux d'artifice. Ça, c'est drôle. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Normalement, si on crée ces feux d'artifice comme ça. Hop, 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 hop. On fout un petit peu de feu. Regardez, c'est juste du feu, là. Par exemple, ce qu'on peut aussi faire, c'est foutre du C4 comme ça. Voilà, foutre du C4 comme ça. Déposer, mettre du feu, et faire tout péter. Voilà. Bon, c'est ça. Donc, maintenant, on va essayer de pogner un truc random. Par exemple, des containers. Ça, voilà, ça c'était pour tout à l'heure. Donc là. Sa première création. Bon, on va aller regarder sa première création. Donc, sa première création, c'est ce truc. Donc, on va voir que là, on peut faire une grosse boule de feu. Qui va. C'est une fonction que je viens de découvrir à l'instant, ok? Ne me critiquez pas, je viens de découvrir cette fonction à l'instant, ok? Ben là, je crois que. C'est ça. Donc là. Donc on pourrait faire. Attendez, attendez, regardez les FPS, what the fuck? Je tourne à 7 FPS. C'est n'importe quoi. Bon, je viens d'atomiser l'endroit. Tout simplement, je viens de tout atomiser. Non, j'ai réellement tout atomisé, là, je crois. Est-ce qu'il existe encore des trucs? Attendez. Hop! Voilà, j'ai utilisé juste le pad tactile. C'est quoi ça? Piu, 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 piu. Oh shit! Oh man! Oh man! Oh! 34. 34, ouais. Maze. Oh shit! Wow, c'est wow. Donc, on va prendre tiens, une ville. On va détruire des villes parce que c'est ça. Arctic City 2, on va prendre ça. Donc, Arctic City 2, ça me semble être trop bien. On va prendre ça. Après ça, on va s'arrêter. Donc, on peut s'amuser peut-être avec un virus. Ce serait bien. Lâcher un virus. Ouais. Ils sont où les virus? Les virus ne sont pas là, ils sont pas là. Ah, ils sont dans le liquide. On va commencer par. Une dose pas si grande de virus. Et vous pouvez voir que déjà, juste les virus, ça atomise putain de tout. Regardez-moi ce truc! What the fuck?
Regardez ici! C'est tout en train de se transformer, what the fuck? Ah, regardez ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Poup. Vous comprenez que les virus, c'est n'importe quoi. Regardez. Si je fais juste ça comme ça, ok, je suis sûr que j'atomise la totalité de la ville. On a plutôt englouti la ville. On a englouti la ville. What the fuck? Ok, ouais. C'est pas ouf. De l'eau distillée ne conduit pas l'électricité. Ça, c'est vrai. Ce jeu est éducatif, les enfants. C'est de l'eau distillée, ça ne conduit pas l'électricité. Ce qui est totalement vrai, regardez, l'électricité passe, mais pas ici. Voilà, l'eau, elle se pollue, évidemment. Elle se pollue petit à petit. C'est logique. Mais bon, vous me comprenez, quoi. Ben, j'espère que vous me comprenez, parce que putain! Bon, maintenant, on va finir la vidéo avec une grande désintégration à l'acide. Et voilà. On va voir si l'acide réussit à désintégrer la totalité de la ville. Avant que ça prenne feu, what the fuck? Bon, ben, je crois qu'on a atomisé... on a atomisé la ville. On a atomisé la ville, carrément. On peut voir qu'il reste pas grand-chose de la ville. Et maintenant, on va aller refaire joujou avec des containers. Vous allez voir. Hop, container. Et voilà. Un simple container. On va le mettre en favori. Comme ça, si j'ai envie de vous montrer des trucs, par exemple. Putain, j'ai frappé le micro. J'ai frappé le micro. Donc voilà, regardez bien. Si on met de l'eau là-dedans. Hop. Et qu'on met de l'huile, vous pouvez voir que, comme dans la vraie vie, eh bien, ils ne se mélangeront pas. Par exemple. Et regardez. Si, normalement. Regardez bien. Si on met de l'eau normale et de l'eau distillée, vous pouvez voir que l'eau distillée ira infecter petit à petit. Non, l'eau normale ira infecter petit à petit l'eau distillée. Ce qui est extrêmement cool et logique, en fait. Par exemple, regardez bien, on peut mettre du mercure. Voilà, on va mettre du mercure. Voilà, par exemple. Et donc, quand il y a du froid, ça se solidifie. Donc, pour avoir du froid, eh bien, je sais pas. On va mettre de la glace. On va voir que le mercure décède. Ouais, bon, laissez faire, j'ai rien dit. Donc, laissez faire, j'ai rien dit, hein, évidemment. Donc, évidemment... Si je veux, par exemple, faire en sorte que, voilà, je sais pas, regardez, on fait un gros trait comme ça, ensuite on prend le truc pour effacer les murs, ah ben non, hop, on prend ça, on efface toutes ces particules et que l'on met, je sais pas, c'est où, c'est là. De la lave, vous allez pouvoir constater que ça pète et ça fait, ça détruit, ça désintègre le conteneur, tout simplement. C'est, j'expérimente en même temps. Voilà, donc je découvre. Ça mettons. Oh, la poussière. Voilà, de la poussière. Si, par exemple, on met... Oh, attendez, il y avait de la neige. Oh, attendez. Ah, merde. Ah, merde. Bon, ben, regarde, voilà.
On met ça, par exemple, si on met du feu à la poussière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la poussière se désintègre dans un air de flamme. Voilà! Oh! Par exemple, regardez bien, maintenant on va tout faire péter ici, ok? Vous êtes prêts? Pop, 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 pop. Ah, bah, même pas le temps, puis ça pète déjà. Voilà. Et vous pouvez voir que ah, bah, ça n'a rien fait. Bon, ben, c'est dommage. Container ship. On va s'amuser une dernière fois avant de se quitter avec une dernière bombe nucléaire. Allez. Moi, je vous dis au revoir, les gens. Lagba! Attendez, et. What the fuck, man? C'est n'importe quoi. Atomisez-moi cela. Maintenant. Voilà, je vous laisse sur ce magnifique spectacle de 7 FPS. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur The Powder Toy et sur d'autres vidéos aussi. Hein, voilà. Donc, adieu, bye bye. Je sais pas, allez vous faire foutre. C'est ça, je vous aime pas. C'est ça.